Salut à toi! Aujourd'hui, on se régale avec les couleurs d'automne. Et en fin de vidéo, si vous voulez mettre un arbre dans votre jardin qui fait des belles couleurs d'automne, je vais vous en montrer un. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est Jérémy le jardinier et on est au jardin japonais de Questembert. Jingle! Ah non, il n'y en a toujours pas. Allez, c'est parti pour un petit tour de jardin. Le liquide en barque a très bien résisté cet été, qui fait des super couleurs d'automne. J'adore, ça prend vraiment toutes les teintes. Vert, jaune, orange, violet. J'aime beaucoup cet arbre. Là, on a un assortiment de couleurs d'automne avec le sumac de Virginie, dans le fond un érable champêtre, au milieu un érable japonais et un cornus qui fait lui aussi des magnifiques couleurs bien flashy d'automne. L'arbre de jus des pleureurs, ça nous fait des cœurs jaunes. Un liquide en barre tout au-dessus. Et là, un arbre que j'aime beaucoup, c'est l'arbre à perruque. Il commence à faire ses couleurs. Alors lui, il fait vraiment aussi des très belles couleurs d'automne. Alors les érables du Japon n'ont pas tous pris leur couleur d'automne encore, ça s'étale suivant les variétés. Celui-ci commence. L'arbre que je vous avais promis en début de vidéo, c'est celui-ci. Alors c'est un érable aussi, mais pas du Japon, du Canada. Et en couleur d'automne, il est vraiment chouette.
Et voilà pour ce tour de jardin du mois d'octobre. Alors n'oubliez pas de contempler. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis à très bientôt, au mois de novembre, pour ce jardin-là, ou avant pour d'autres vidéos. À bientôt!